Aujourd'hui, on va parler du cacao et leurs personnes qui travaillent, les agriculteurs de cacao. Pourquoi je vais parler de ça? De l'escroquerie totale sur le cacao, qui veut dire un agriculteur pour le cacao, c'est 50 centimes le kilo de cacao. Est-il ça normal? Moi, personnellement, je trouve que c'est inadmissible que 50 centimes le kilo de cacao et que vous achetez le cacao, le chocolat pour 2 euros, 3 euros. La tablette. Il y a des tablettes à 3 euros, 2 euros. Mais le problème, c'est que c'est pourquoi je dis que c'est une escroquerie. Vous imaginez 50 centimes le kilo de cacao. Est-ce que vous imaginez? C'est énorme comme escroquerie. Vous imaginez, on leur donne ça aux agriculteurs de 50 centimes le kilo de cacao. Ils auraient pu dire tout simplement 1 euro, 2 euros le kilo. Mais non. Et moi, je le trouve franchement très, très désolant parce qu'on parle, on parle que le cacao coûte cher. Et bien, moi, pour moi, le cacao coûte cher parce que les agriculteurs ont tellement marre d'être payés au baravert, au lance-pierre et à tout ce domaine. Et je trouve que c'est illogique total car c'est anormal. Donc pourquoi moi je dis ça? Parce que personnellement, quand on parle de cacao à un prix si bas, c'est que c'est très étrange. Tellement étrange que je trouve inadmissible, vraiment inadmissible. Les gens n'imaginent pas que le cacao coûte cher parce que pourquoi on va dire que c'est pour le luxe, hein, des choses comme ça. Les gens n'imaginent pas tout ça. Moi, pour moi, c'est le cacao et pas vraiment un luxe. C'est pas une question de luxe, c'est une question tout simplement d'hypocrisie de l'État qui gère le cacao. Hein. Je peux prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Hein. Je peux prendre le cas de tous les exportateurs de cacao, comme le Brésil, etc. Tous ces pays-là qui sont exploités du cacao. Donc moi je trouve que c'est illogique, totalement illogique. Et même dans le domaine du café, c'est pas logique du tout non plus. Mais bon, c'est une autre petite histoire. Mais bon, pourquoi je dis ça? Je trouve que les gens n'imaginent pas que les agriculteurs embauchent des personnes pour essayer d'enlever le cacao, tout ça. Donc, trier le cacao pour essayer de bien sélectionner. Et donc, quand les Français vont acheter le cacao, ils vont vous revendre le cacao en tablette, donc le chocolat en tablette, le chocolat en poudre, les grandes marques qui vont faire ça pour le pot d'un chocolat en poudre qui va coûter 2,80 euros, 3,80 euros, 4 euros, 5 euros. Et donc, c'est pourquoi je parle que les agriculteurs sont exploités, c'est que c'est au lance-pierre, quoi. Et ça, je trouve que c'est immoral, illogique, et pour trouver le compte à tout le monde, bah, le compte, il n'y en a pas du tout, du tout. Donc voilà. Voilà pourquoi je fais aujourd'hui cette vidéo exclusive sur le cacao. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Et si vous voulez mettre des commentaires, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Donc je trouve franchement immoral. Bon, je vous souhaite une excellente journée à vous, bonne continuation et à la prochaine fois.